Alors, je suis Catherine Brault et je suis la propriétaire et la gestionnaire du château de Rosa Bonheur à Bitomerie en Seine-et-Marne. Quand je suis venue ici, donc en 2015, je n'étais pas venue depuis mes 8 ans, je crois, donc ça fait très longtemps. Et j'avais, comme beaucoup de gens, des idées très arrêtées sur Rosa Bonheur, sur le fait que c'était la peintre des vaches, etc. Et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, quand je suis arrivée dans son atelier et que je me suis retrouvée face à ce grand portrait en pied qui est derrière moi, j'ai eu l'impression que Rosa Bonheur me disait « Tiens, finalement, tu es revenue. » Et en interprétant son regard de cette façon-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'aujourd'hui je parle avec un tableau, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Et donc ce moment-là, qui a duré quelques secondes, m'a étonnée. Et après, je me suis dit, mais au fait, qui était-elle vraiment derrière cette image qu'on a d'elle? Qui était cette femme? Et là, j'ai commencé à chercher, je me suis aperçue qu'il y avait très peu d'écrits sur Rosa Bonheur. Ce que j'arrivais à découvrir quand même, c'était qu'elle avait l'air d'avoir été une femme absolument extraordinaire et surtout avec une très grande réussite. Or, les gens n'ont pas l'impression que Rosa a été un personnage aussi important dans l'histoire de l'art. Et là, je me suis dit, j'aimerais comprendre qui elle a été vraiment et pourquoi elle a disparu. C'est cette espèce d'enquête policière qui m'a attirée. Rosa Bonheur va avoir très tôt, c'est-à-dire vers l'âge de 11 ans, son objectif, être peintre, ne peindre que des animaux et devenir célèbre. Et donc, toute sa vie, à partir de la mort de sa maman, en fait, va être construite pour aller vers cet objectif. Et donc, elle va commencer par se rendre au Louvre pour apprendre à maîtriser son art, puisque les beaux-arts ne sont pas ouverts aux jeunes filles. Et elle va, en fait, avoir une ascension assez rapide, puisque dès l'âge de 14 ans, elle va vivre de son art, ce qui est complètement exceptionnel, déjà pour un homme, pour un peintre à cette époque, même à notre époque d'ailleurs, mais pour une jeune femme, c'est même pas envisageable. Et à partir du moment où elle va commencer à gagner correctement, très correctement sa vie, c'est-à-dire à être autonome et à pouvoir aussi assister sa famille, eh bien, elle va devoir remplir la deuxième partie de cette mission, ça va être de devenir célèbre. Ça veut dire forcément présenter ses œuvres au salon et au salon parisien. Elle a 19 ans quand elle expose pour la première fois, et en fait, avant ses 26 ans, elle va déjà avoir eu une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille d'or. Elle est totalement reconnue par ses pairs. Cette grande réussite va lui permettre en fait de choisir la vie qu'elle va mener. Et cette vie, elle va choisir de la mener non pas à Paris, au milieu des mondanités, mais dans un petit village, donc à Tomerie, en Seine-et-Marne. C'est une heure de Paris en train à l'époque. La vente du tableau qui va la rendre mondialement célèbre, donc le marché aux chevaux, qui se trouve maintenant au Metropolitan Museum de New York, va lui permettre d'acheter le château des Seigneurs de Bie. Alors Tomerie, c'est à 6 km de Fontainebleau, donc très proche de la résidence Bellefontaine de l'empereur et de l'impératrice. Rosa est très célèbre, elle ne peint que des animaux, c'est une femme indépendante, donc forcément elle va fasciner. Et donc cette fascination va pousser l'impératrice, qui est une femme moderne, avec des idées assez ouvertes sur les femmes et sur l'éducation des jeunes filles. Et donc elle va arriver un jour ici, l'impératrice va arriver en carrosse avec, on imagine quand même, quelques personnes de sa cour qui vont l'accompagner, mais Rosa ne sait pas que l'impératrice vient. Et donc elle est en train de peindre ici dans son atelier en blouse et en pantalon, puisque Rosa portait le pantalon puisqu'elle peignait des toiles qui étaient très grandes, elle-même mesurait 1 m50, donc on l'imagine montant sur des échafaudages, sur des escabeaux. Et donc, elle va entendre d'abord une voiture arriver, elle va se pencher à la fenêtre, elle s'aperçoit que c'est l'impératrice. Donc là, on imagine que c'est la panique totale. Nathalie Micas, avec laquelle elle partage le château, va arriver elle aussi en disant « Vite, vite, Rosa, prépare-toi, l'impératrice est là ». Rosa va traverser son atelier, va traverser son petit salon, va débarquer dans sa chambre, va essayer de retirer sa blouse par la tête, elle va rester coincée, elle est toute échevelée, rouge probablement comme une tomate. Elle va avoir le temps de sauter dans une jupe, enfiler une veste.
On imagine que tout ça ne devait pas très très bien ajusté et l'impératrice arrive ici dans cet atelier pour voir Rosa Bonheur. Rosa va se précipiter pour baiser les mains de l'impératrice et en fait l'impératrice va la prendre dans ses bras et donc il y a un échange entre ces deux femmes qui est assez improbable parce qu'effectivement Rosa a mené une vie plutôt simple et puis cette impératrice, la première femme de France, qui rend cette visite tout à fait hors protocole à Rosa Bonheur ici. Effectivement, Rosa va connaître une gloire, alors d'abord une gloire en France, hein, avec une première commande de l'État, et puis le duc de Morny va convoquer Rosa Bonheur pour lui passer une nouvelle commande de l'État. Et Rosa, qui a préparé un peu ce rendez-vous, a fait quelques croquis dans le même style que le labourage en Nivernais, donc première commande de l'État français, une fenaison, une scène rurale, et en même temps, elle a préparé des esquisses pour le marché aux chevaux. Elle veut peindre des chevaux, mais le duc de Morny va l'arrêter en lui faisant bien comprendre que jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment peint de chevaux, que les femmes ne peignent pas habituellement des chevaux et qu'il vaut mieux qu'elle fasse ce qu'elle sait parfaitement faire, c'est-à-dire cette fameuse scène de fenaison. Rosa va quand même essayer de négocier un peu et il fallait qu'elle ait du courage pour oser contrer, en fait discuter avec le duc de Morny. Hein. Et finalement, elle ne va pas réussir à le convaincre et donc le duc de Morny va choisir la fenaison. Et Rosa va lui dire, écoutez, très bien, je vous remercie, mais je vais d'abord faire mon marché aux chevaux et quand j'aurai fini, je ferai votre fenaison. Ce qui était là aussi quand même assez incroyable qu'une jeune femme puisse oser tenir tête comme ça au duc de Morny. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va réaliser cette œuvre. Alors il faut bien savoir qu'à l'époque, les femmes sont cantonnées à un certain style de peinture. Plutôt des portraits, des bouquets, des natures mortes, etc. Et quand elles peignent des animaux, ce sont plutôt des petits moutons, des petites chèvres, des animaux tout mignons, comme on imagine pour les femmes. Or, Rosa, si au départ, elle a effectivement présenté au salon parisien d'adorables petits lapins, elle a vite abandonné les lapins pour les veaux, les vaches, puis les taureaux. Et puis, elle va aussi, contrairement à ce que les femmes faisaient à l'époque, qui se cantonnaient à des toiles de petite taille, eh bien, elle va peindre sur des toiles de plus en plus grandes. Et là, avec le marché aux chevaux, eh bien, elle va à la fois attaquer un sujet qui n'est pas un sujet féminin, qui est même un sujet typiquement masculin, les chevaux, et puis elle va s'attaquer aussi à une toile gigantesque, puisque la toile fait 5 mètres, un peu plus de 5 mètres de long, sur, je crois, 2,40 mètres de haut. Et donc, c'est vraiment très, très ambitieux. Et cette toile ne représente pas une scène bien calme, bien douce, comme elle a fait pour le labourage en Nivernais, où on sent une lenteur, quelque chose de très paisible, ou ce qu'elle fera plus tard avec la fenaison. Elle va peindre une scène d'une violence inouïe. Elle va peindre des chevaux qui sont totalement effrayés, qui sont à la limite de la rébellion. Et sur cette toile, donc le point central de cette toile, c'est l'œil d'un cheval totalement affolé, un cheval qui est malmené par un palefrenier ou par un maquignon. Et d'ailleurs, c'est le cas de toute cette scène où on voit une violence absolument incroyable. Rosa va réussir à la poser au salon parisien, puisqu'on lui a dit qu'elle pouvait exposer ce qu'elle voulait, quand elle voulait, sans passer devant un jury, ce qui était absolument incroyable. Et donc, elle va exposer cette scène et en fait, elle va avoir un succès considérable. Elle va avoir un succès auprès du public, qui ne va pas voir la violence de la scène, simplement, il voit des percherons, ce cheval typiquement français, peint de façon magistrale, et donc tout le monde va s'extasier devant cette toile très grande, vraiment brillamment réalisée, et les critiques vont aussi être unanimes et dithyrambiques. Et à partir de là, on va dire que Rosa a peint tellement bien qu'elle peint comme un homme, et les peintres, ses contemporains, vont dire qu'effectivement, elle fait de la peinture virile, qu'elle a un pinceau vigoureux, et donc elle est complètement adoubée par ses pairs. Malheureusement, cette toile, eh bien, elle va avoir du mal à la vendre. Dans un premier temps, le duc de Morny ne va pas la vouloir. Rosa va essayer de la vendre pour 10 000 francs à Bordeaux, et la ville de Bordeaux va refuser la toile. Et cette toile va partir dans un premier temps en Belgique. Elle va être exposée à Gand, où elle va avoir un succès encore plus grand qu'à Paris. Et finalement, c'est un Belge
du nom d'Ernest Gambart, mais qui vit à Londres et qui vend de la peinture française, c'est lui qui va acquérir cette toile pour 40 000 francs. Rosa en voulait 10 000 francs, il va finalement l'acquérir pour 40 000 francs et quand il va s'emparer de cette toile, eh bien il va la faire voyager d'abord à Londres, succès considérable, puis au Royaume-Uni un peu partout, avant qu'elle ne parte aux États-Unis où elle va en fait vraiment concrétiser la carrière internationale de Rosa Bonheur. Et cette toile sera revendue aux États-Unis 268 000 francs or. Rosa en voulait 10 000 et la voilà à 268 000. En fait, la première spéculation dans l'histoire de l'art du vivant de l'artiste. Et donc, c'est la période où les industriels américains vont commencer à se battre entre eux pour avoir la plus belle collection. Et c'est avec une des œuvres de Rosa que ça va commencer. Et puis, la toile finira finalement par être offerte au Metropolitan Museum de New York, où elle va être pendant des décennies l'œuvre la plus vue, la plus regardée, la plus recherchée au Met. La suite, c'est que Rosa, grâce à la vente du marché aux chevaux, qui va vraiment faire un circuit international hein, avec à la fois le portrait de Rosa et le tableau du marché aux chevaux, eh bien, Rosa va pouvoir réaliser son rêve, qui est d'acquérir un domaine dans lequel elle pourrait s'installer avec sa ménagerie, pas trop loin de Paris pour quand même pouvoir continuer à aller à Paris et notamment aller à l'Opéra où elle a une loge. Elle ne veut pas rater toutes les premières hein, à l'Opéra de Paris, mais suffisamment loin pour qu'on ne vienne pas l'importuner ici. Et donc, le comte d'Armaillé va lui proposer d'acheter le château des seigneurs de Bie et Rosa va venir ici. C'est un château qui est de taille modeste. D'ailleurs, il ne ressemble plus du tout à un château. Il a été complètement refait au fin du XVIIe siècle. Et ce château a un avantage considérable, c'est qu'il est, il a un très beau terrain, mais simplement de 3 hectares. C'est suffisant pour Rosa, mais surtout, ce terrain s'ouvre sur la forêt de Fontainebleau et ça va permettre à Rosa de rencontrer ses prochains modèles qui vont être les cerfs, les biches de la forêt de Fontainebleau et aussi, bien sûr, quelques chevreuils ou sangliers. Rosa ne va pas avoir une vie très facile, d'abord parce qu'elle perd sa mère quand elle a 11 ans. Le père, qui était artiste peintre, avait de grandes idées philosophiques. Il pensait que la femme, c'était l'avenir de l'humanité, sauf qu'il va abandonner sa femme et ses enfants dans le dénuement le plus total pour aller réfléchir à la condition féminine avec ses frères saint-simoniens. Et Rosa, enfant, assiste à tout ça, c'est-à-dire elle voit sa mère, qui est née dans une famille avec de l'argent, épouser son professeur de peinture et de dessin, qui est totalement désargenté, qui va quitter Bordeaux pour Paris pour essayer de gagner mieux sa vie, mais ça ne marche pas vraiment comme ça, et qui finalement, après avoir fait 4 enfants à sa femme, va l'abandonner. Et donc la maman de Rosa va devoir se débrouiller dans une ville qu'elle ne connaît pas, Paris, qui est quand même une ville pas facile, surtout pour une petite provinciale. Elle n'a jamais travaillé, cette femme, et donc elle va se retrouver à devoir se débrouiller pour nourrir sa famille elle-même et aussi donner de l'argent à son époux. Et Rosa assiste à tout ça et elle voit sa mère dans la misère, qui se prive de manger pour nourrir ses enfants. Et Rosa, qui a une admiration considérable pour cette femme, et on la comprend parce que les lettres que l'on peut lire de cette femme, elle a de l'esprit, elle a de la culture, elle jouait de la musique, elle chantait à merveille. Et donc on comprend l'amour que cette petite Rosa va avoir pour sa maman et le désespoir total qui va l'atteindre quand sa mère tombe malade d'épuisement et quand elle meurt. Et donc là, Rosa est dans la misère noire. Pour ceux qui ont lu Zola, hein, on est vraiment dans du Zola. Et Rosa, ça va être une prise de conscience, plusieurs prises de conscience. C'est il ne faut dépendre de personne, parce que si sa mère avait été autonome, si elle avait fait ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire de la musique, peut-être qu'elle serait devenue une grande musicienne. En tout cas, là, elle a choisi de favoriser les choix de son mari et elle ne va pas lui en vouloir, elle ne va pas l'empêcher. Et donc, elle va assumer seule, non seulement la charge de la famille, mais la charge de son mari aussi. Et donc, Rosa, enfant, a bien cette conscience-là et elle va d'ailleurs décréter qu'elle ne voudra jamais dépendre de quiconque. Et elle le dit quand elle a 11 ans, mais elle va tenir cet engagement-là toute sa vie.
Alors, elle a une grande chance, c'est que malgré tout, elle perd sa mère très jeune, mais son père est saint-simonien. Et pour les saint-simoniens, la femme a une place, et la femme est l'avenir de l'humanité. Donc, en fait, Raymonde Bonheur ne va pas contrer sa fille quand elle va décider de devenir peintre. Il va bien essayer quand même de la mettre en apprentissage pour d'autres vrais métiers, comme il dit, hein, cuisinière, couturière, et puis en désespoir de cause, parce que Rosa ne le laisse pas faire, elle est absolument infernale. Et donc, finalement, il accepte de se ranger aux idées de sa fille. Et il va laisser sa fille mener son petit bout de chemin, il va la laisser aller au Louvre, il va simplement lui faire des recommandations, lui disant « tu t'écartes, tu te mets dans un coin, tu te fais oublier et tu fais ce que tu as à faire ». Et c'est comme ça que Rosa va prendre aussi confiance en elle. Elle constate bien aussi que son père n'est absolument pas capable de gérer la famille. Et donc Rosa va, dès ses 11 ans, être déjà peut-être le chef de famille. C'est une seconde maman pour ses frères et sœurs. Et elle va avoir avec son père une relation très particulière, à la fois une admiration pour cet homme qui lui donne en fait les bribes de son métier, hein, d'artiste peintre, qui va pousser sa fille à se réaliser, et d'un autre côté, un homme qui est complètement inconséquent, qui quand il gagne de l'argent, le jette dans l'atelier en disant « quand on n'aura plus d'argent, il suffira de se baisser ». Ce père qui a quand même abandonné sa mère, qui l'a laissé mourir, et donc à la fois une admiration pour son père, et puis à la fois une détestation parce que c'est quand même lui qui tue sa femme d'une certaine façon. Et donc Rosa va se construire avec cette ambiguïté, elle en est bien consciente et ça va lui donner peut-être la conviction de ne jamais dépendre de personne et elle va mener sa vie comme elle l'entend avec un père qui va aussi la laisser mener cette vie et qui va même l'encourager. Il va lui dire « tu dois être fière d'être une femme, la femme est l'avenir de l'humanité ». Et Rosa le dira tout au long de sa vie. Quand on lui demandera est-ce que ça n'est pas trop dur d'être une femme dans un milieu d'hommes, un milieu d'artistes, eh bien, elle répondra toujours la même chose. Je suis fière d'être femme parce que mon père m'a appris à être fière d'être une femme. La femme est l'avenir de l'humanité. Rosa va avoir une très grande chance, même si sa vie a été difficile, elle va quand même faire des rencontres extrêmement importantes. Et dans sa vie, il y a une famille qui va jouer un rôle considérable, c'est la famille Micas, qui va soutenir Rosa quand elle a 14 ans, pour qu'elle puisse avoir un petit atelier à elle, pour qu'elle puisse travailler loin de ses frères et sœurs et du père un peu fantasque. Et cette famille-là va être vraiment la seconde famille de Rosa Bonheur. D'ailleurs, quand le père de Rosa va décéder, elle va demander à cette famille de l'adopter, c'est ce qui va être fait. Et quand elle va devenir l'artiste internationale qu'elle est devenue, quand elle s'achète le château Abbey, eh bien, elle va faire venir la famille Micas ici. Et c'est vraiment cette famille-là qui va permettre à Rosa de continuer à produire et à travailler sans avoir à s'occuper de l'intendance. Sans la famille Micas, jamais Rosa n'aurait pu mener cette carrière-là. Madame Micas va s'occuper de l'intendance du château. L'intendance du château, c'est les 200 animaux dans le parc, avec un loup, avec des lions, avec des chamois, des cerfs, etc. Tout un tas d'animaux plus ou moins exotiques. Et puis, Nathalie Micas va être la seule personne qui va venir travailler avec Rosa sur ses œuvres. Dans la plupart des ateliers de peintres de la trempe de Rosa Bonheur, il y a tout un tas de petites mains. Eh bien, Rosa n'aura qu'une seule personne qui va venir l'aider, qui va reporter les œuvres au carreau, qui va faire les préparations de toile, qui va négocier aussi avec les marchands ou avec les acheteurs. Donc tout ça, c'est vraiment le couple Madame Micas, Nathalie Micas qui vont permettre à Rosa de mener uniquement sa vie d'artiste et de travailler sur ses œuvres. Rosa va pouvoir en fait vivre exactement comme vivent les hommes de cette époque, puisque eux peuvent travailler pendant que leur épouse s'occupe de l'intendance. Cette grande indépendance, c'est peut-être aussi ça qui va la rapprocher de l'impératrice. L'impératrice Eugénie, c'est une femme qui a une vision assez élevée pour les femmes, qui va créer le baccalauréat, notamment pour les jeunes filles. Elle va vraiment les soutenir et c'est peut-être ce qui va faire qu'il va y avoir entre elles une admiration, une reconnaissance. Le lien qui va se tisser avec l'impératrice va être un lien qui va durer dans le temps,
puisque l'une des dernières personnes avec laquelle Rosa va correspondre et puis avec laquelle elle va avoir des liens très forts, c'est effectivement avec l'impératrice Eugénie. Et on est en 98 ou 99, donc c'est très proche de la fin de Rosa. Et Rosa va rendre visite à l'impératrice dans son jardin à Nice. Et l'impératrice est une impératrice déchue. Elle a perdu son mari, elle a perdu un enfant, c'est une femme qui est seule. Et Rosa la comprend. Et donc elles vont échanger deux femmes blessées, seules, et elles vont parler de cœur à cœur, et on le voit d'ailleurs dans les témoignages que Rosa va nous laisser, des mots extrêmement doux, tendres et pleins d'admiration pour cette femme qui a été durement mise à l'épreuve par la vie en perdant son enfant. Le petit prince impérial que Rosa avait rencontré, qui vient ici pour rencontrer les animaux de Rosa, qui est déçu la première fois qu'il vient parce que Rosa a mis une jupe comme toutes les femmes autour de lui, et lui il est un peu renfrogné, il dit mais j'aurais voulu que mademoiselle Rosa reste en pantalon, je voudrais la voir en pantalon. Et donc Rosa promet que la prochaine fois elle fera l'effort de rester en pantalon, et donc le petit prince va revenir comme ça, rendre visite à Rosa Bonheur et puis voir les animaux dans le parc de Rosa. Alors que l'empereur est quand même beaucoup plus éloigné de tout ça, et bien quand Rosa va être invitée à déjeuner au château de Fontainebleau, elle va être assise à la droite de l'empereur et elle va arrêter le bras de l'empereur au moment où il s'apprête à déguster, je crois, un œuf à la coque ou quelque chose comme ça. Et Rosa, qui a déjà senti son œuf et a trouvé qu'il ne sentait pas bon, elle qui est habituée aux produits très frais qu'il y a ici au château, elle arrête le bras en disant « Non, surtout, ne mangez pas cet œuf, il n'est pas frais. » Et lui, il va lui répondre avec beaucoup d'humour « Mais si je ne mangeais que les choses fraîches ici, je ne mangerais rien. » Et donc, avec un certain humour, et c'est aussi cette simplicité de Rosa, ça n'est pas une courtisane, et c'est ce qui fait qu'elle va être appréciée par l'empereur et par l'impératrice Eugénie. Rosa n'a pas de problème par rapport au fait d'être une femme. Ça ne l'empêche pas de mener et la vie qu'elle veut et la carrière qu'elle veut. Et donc, au lieu de revendiquer l'égalité homme-femme, en fait, elle va simplement vouloir en faire la démonstration. Elle va vouloir démontrer que dans l'art, il n'y a pas de différence, que le génie n'a pas de sexe. Et d'ailleurs, c'est ce que lui dira l'impératrice Eugénie quand elle va venir ici, dans son atelier, au château de Bi, pour lui remettre les insignes de la Légion d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur, c'est la première femme artiste à obtenir cette distinction. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir aussi que c'est la première fois qu'une femme remet la Légion d'honneur à quelqu'un, et elle va choisir de la remettre à une femme. C'est plein de nouveautés. Et c'est aussi l'impératrice qui choisit, comme dernier acte de sa régence, de venir remettre ici, en personne, au château de Bi, cette Légion d'honneur à Rosa Bonheur. Généralement, on prévient les gens et ils se déplacent pour recevoir cette distinction. Eh bien là, tout est renversé. L'impératrice a voulu en faire un acte extrêmement symbolique. D'ailleurs, elle va attendre quelques jours. Toutes les personnes qui devaient recevoir la Légion d'honneur l'ont reçue. L'impératrice veut attendre. Elle veut qu'il y ait un acte spécial pour Rosa Bonheur. Elle ne veut pas qu'elle fasse partie d'une fournée où elle serait noyée dans le reste. Et il y a quelque chose d'extrêmement fort dans cette remise des insignes de la Légion d'honneur ici au château de Bi. L'histoire du château de Rosa Bonheur est absolument incroyable, mais comme le reste d'ailleurs de l'histoire de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur vit avec la famille Micas. Elles font chacune des testaments en faveur des unes des autres. Malheureusement, Madame Micas, Nathalie Micas, vont mourir avant Rosa, et Rosa se retrouve à l'âge de 60 ans avec des frères, des beaux-frères, des neveux, mais elle sait pertinemment que si elle leur lègue ses biens, notamment le château et les œuvres, les collections qui sont dedans, et bien tout cela va disparaître parce qu'ils vendront et ces œuvres se trouveront dispersées. Et pour Rosa, il est très important que tout cela reste ici parce que c'est la preuve qu'une femme peut faire carrière, qu'une femme peut réussir en étant indépendante, en étant seule. Et donc Rosa, c'est un témoignage de cette réussite qu'elle veut laisser.
Et c'est une véritable angoisse. Que va devenir tout cet ensemble, toutes ces collections, quand elle ne sera plus là? Et à la fin de sa vie, il y a un personnage qui va débarquer, une Américaine, une jeune Américaine. Elle s'appelle Anna Klumke. Rosa l'a rencontrée 9 ans avant. Elle était venue servir d'interprète entre un marchand de chevaux américain et Rosa Bonheur. Et donc, il y avait eu dans cette rencontre quelque chose d'assez étonnant, parce que Rosa avait eu l'impression de voir en cette femme un peu l'envoyée de sa propre mère. Elle ressemblait à sa mère. Elle avait la même silhouette, la même façon de se coiffer, la même façon de parler. Elle jouait du piano comme sa mère, elle chantait, et elle était peintre comme elle. Et puis, ces femmes vont rester en contact, mais assez lointain. Et à un moment, alors que Rosa a 76 ans, elle reçoit une lettre de cette jeune femme, de cette jeune Américaine, qui lui demande l'autorisation de venir au château pour peindre son portrait. Et Rosa se remémore cette femme, enjouée, avec énormément de qualité, et elle se dit que ce serait fort agréable de retrouver cette fameuse Anna sur une période assez longue, puisque peindre un portrait, c'est assez long. Quelques mois plus tard, elle débarque ici, et Rosa va très vite lui dire « Écoutez, vous allez faire mon portrait, mais en plus de ça, vous allez écrire ma biographie, je vous y aiderai. » Et donc, il va y avoir cet échange extraordinaire entre une Rosa à la fin de sa vie et une Anna admirative et qui va écouter toute l'histoire de Rosa. Et ces échanges vont les rapprocher. Et au fur et à mesure que les portraits avancent et que la biographie avance aussi, Rosa se rend compte qu'il y a un moment où Anna va partir parce que tout ça sera terminé et qu'elle va se retrouver de nouveau seule dans son château. Et c'est quelque chose qui l'angoisse. Elle sait qu'elle arrive à la fin de sa vie, elle n'a pas envie de terminer seule, et donc elle va très naturellement demander à Anna d'accepter d'être la fille qu'elle n'a jamais eue. Vous imaginez la surprise d'Anna? Et Anna va hésiter parce que ça signifie ne plus rentrer aux États-Unis, rester auprès de Rosa, et finalement elle va accepter. Et Rosa va lui dire « Écoutez, si vous restez auprès de moi, tout ce qui est ici, tout ce que j'ai à l'esprit, eh bien, ça vous appartiendra. Je vous donnerai tout. Je vous apprendrai à devenir une nouvelle Rosa Bonheur. Et bien naturellement, eh bien, vous continuerez à faire vivre tout cela. » Et donc, c'est ce qui va se passer. Rosa va faire un testament pour Anna. Et Anna va suivre très scrupuleusement ce testament. Vous imaginez, Rosa meurt très vite. En fait, Anna, Rosa, dans cet atelier, c'est à peine 9 mois. Et quand Anna se retrouve chez le notaire, avec la famille Bonheur en face d'elle, qui découvre qu'ils ne sont pas dans le testament, eh bien, ça va être un drame et tout le monde va tomber sur Anna et va lui dire qu'elle a manipulé Rosa Bonheur, etc., qu'elle l'a même tuée. Enfin, ça va être assez horrible. Et Anna va être très maligne parce qu'en fait, pour avoir la paix et pour réussir à conserver le bien de Rosa à peu près intact, eh bien, elle va proposer de vendre les œuvres de Rosa qui sont dedans. Alors là, on s'effraie en se disant « mais quelle horreur !» Et en fait, en vendant ses œuvres, eh bien, elle va sauver l'œuvre de Rosa. Elle va vendre la totalité des œuvres, mais avant que ses œuvres ne partent, elle va toutes les photographier. Elle va faire ses fameuses photos sur plaques de verre qui sont pour nous une richesse incroyable. Et puis, cette vente va avoir lieu, près de 5000 œuvres qui vont être vendues. La somme récupérée, c'est 1 300 000 francs or, je crois, de l'époque, colossale, 28 fois le prix du château. Et cet argent, eh bien, Anna va le séparer en deux, la moitié pour la famille Bonheur, pour les calmer, et ils vont se calmer, et l'autre moitié pour elle. Et avec cet argent, elle va racheter pratiquement la moitié des œuvres. Et c'est sur ces œuvres-là qu'elle récupère, qu'elle va pouvoir faire un premier don au château de Fontainebleau, puis un second don au château de Fontainebleau, puis quelques œuvres aussi au musée du Luxembourg. Et donc, de cette façon-là, elle fait rentrer Rosa Bonheur dans les collections publiques de façon beaucoup plus importante. Et Anna est persuadée que là, on ne pourra plus oublier, plus effacer Rosa Bonheur. Manque de chance, c'est quand même ce qui va se produire. Mais Anna va rester dans le château. Elle va réaccrocher les œuvres, comme certaines que l'on voit aujourd'hui encore ici, et elle va continuer à faire vivre l'esprit de Rosa. Elle va finir la biographie, elle va la faire publier, elle va la diffuser, elle va exposer Rosa Bonheur encore aux États-Unis. Et puis, à la fin de sa vie, en 1936, elle est déjà âgée, elle décide de retourner aux États-Unis et elle va laisser le château dans les mains de sa nièce,
qui elle-même va reprendre le flambeau avec un énorme respect. Anna part aux États-Unis, la guerre éclate, elle ne pourra plus jamais revenir et elle va mourir aux États-Unis. Cette nièce va conserver le château et va garder les œuvres qui sont dedans. Rien ne va bouger, ça devient vraiment un sanctuaire. Elle va léguer ce château et les collections à sa fille va léguer les collections à ses enfants, et ainsi de suite. Et en fait, les derniers de la famille, qui étaient pas loin de 70 ans, voulaient se séparer du château et des œuvres en disant qu'il faudrait faire des restaurations dans le château, et Rosa mériterait aussi peut-être d'être ressortie des placards. Et donc, ils vont chercher à vendre. Malheureusement, l'État français ne veut pas acquérir ce château et les collections, la région non plus, le département non plus, personne n'en veut. Et donc là, c'est un peu la période critique. Et finalement, eh bien, il y a une famille un peu folle qui décide de sauver ce lieu magique. Moi, quand je l'ai visité, alors que je le connaissais quand j'étais enfant, mais je n'aimais pas l'endroit, c'était poussiéreux, c'était glauque, enfin bon, je n'étais pas du tout sensible à tout ça. Et en revenant en 2015, en redécouvrant avec mes yeux d'adulte, émerveillé ce lieu qui n'a pas bougé du tout. Quand on rentre dans la cuisine du château, eh bien, il y a toujours cet énorme fourneau, il y a toujours ces casseroles en cuivre. Dans les greniers, tout est resté là. C'est-à-dire que toutes les lettres de Rosa, les esquisses de Rosa, les vêtements de Rosa, tout cela est resté ici, y compris les notes de boucher où elle achetait 40 kilos de viande pour sa lionne. L'atelier qui n'a lui pas bougé du tout, hein, on n'y a pas mis de modernité du tout à part l'électricité, mais qui avait été mis à la fin de sa vie par Rosa. Et donc ce lieu, il est terriblement émouvant et de lui-même, il donne envie de se battre pour le conserver. Et voilà, et aujourd'hui on a l'impression que Rosa est là, et grâce à Anna Klumke, grâce à ses descendants, eh bien, le lieu est intact. Peut-être la découverte la plus étonnante, c'était un grand rouleau par terre, mais qu'on a découvert juste pendant le confinement. Donc ce rouleau, on a dû passer des dizaines de fois, des centaines de fois à côté sans le voir. Et finalement, on l'a descendu, on l'a déroulé et on s'est aperçu que c'était la première toile du marché aux chevaux. C'est-à-dire que Rosa Bonheur avait dessiné les chevaux, elle avait commencé à rehausser tout ça de craie blanche et puis elle a dû prendre du recul. Elle s'est rendue compte que ça manquait de profondeur. Il fallait du paysage, pas uniquement des animaux, il fallait un peu de paysage. Donc, la toile était trop petite. Alors elle a roulé de nouveau cette toile, elle l'a fait ranger et elle a recommencé sa toile. La toile qu'elle a recommencée, c'est celle qui est à New York maintenant. Et puis la première toile, eh bien, c'est celle qu'on a retrouvée dans nos greniers. Donc la première toile du marché aux chevaux, une esquisse merveilleuse. C'est effectivement très émouvant. Elle avait choisi un art qui était la peinture animalière, qu'on considère comme un art mineur, voire un art ringard. Et en France, on étudie très peu l'art animalier, ce qui fait qu'on ne le comprend pas, ou pas très bien. Et donc, on va mettre tous les peintres animaliers dans le même panier. Rosa a choisi les animaux. Elle veut défendre la cause animale. Ce qui n'était pas le cas des peintres animaliers en général. Donc elle ne va pas peindre les animaux dans des postures majestueuses, elle ne va pas les mettre en scène, elle veut les peindre tels qu'ils sont pour montrer à quel point ce sont des êtres remarquables, au moins aussi remarquables que les humains. Elle veut démontrer que les animaux ont une âme, que le regard est la porte de l'âme, et donc elle va passer des heures à travailler sur ce regard. Malheureusement, ça n'est pas comme ça qu'on va analyser l'œuvre de Rosa Bonheur, et on va simplement voir une femme qui peint des vaches. Effectivement, d'ailleurs, Rosa a peint des vaches, mais ce sont les premiers animaux qu'elle avait autour d'elle, mais dès qu'elle va avoir d'autres modèles, notamment quand elle va arriver ici à Fontainebleau, avec la forêt de Fontainebleau, elle va peindre infiniment plus de cerfs, elle va peindre des cerfs, elle va peindre des biches, elle va peindre des chevaux, et plus tard, eh bien, elle va s'attaquer à des animaux beaucoup plus sauvages, des lions, elle va peindre des léopards, elle va peindre des guépards, elle va peindre des ours, enfin, tous les animaux, plus ils sont gros, plus ils sont sauvages, et plus ça va lui plaire.
elle va peindre jusqu'à des bisons, des troupeaux de bisons, et ça va faire des tableaux absolument admirables. Malheureusement, toutes ces œuvres-là ne sont pas en France, puisque le moment où elle se met à peindre autre chose que des vaches, c'est avec le marché aux chevaux notamment, et ça, ça va partir aux États-Unis. Les Américains, les Anglo-Saxons, qui ont un amour pour la peinture animalière, leur relation avec l'animal est très différente des relations que les Français peuvent avoir avec les animaux, et donc elle va trouver là-bas un public qui va mieux comprendre sa peinture et aussi la cause qu'elle cherche à défendre, la cause animale, et donc tout va partir dans les pays anglo-saxons, malheureusement pour nous, parce qu'en France, on a très peu d'œuvres avec autre chose que les vaches et les moutons. Dans les fameuses découvertes donc, ici des greniers, qui nous ont permis de révéler une Rosa Bonheur très différente, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, il y a toute cette approche, toute l'utilisation de la photographie. Alors on savait que Rosa Bonheur achetait des photographies, notamment des photographies d'animaux. On a découvert aussi un labo photo, et donc là on a ce laboratoire qui est resté quasiment intact, et puis on a fait des découvertes de photos sur plaques de verre, plusieurs milliers, hein, quantité très impressionnante. Et dans ces photos donc, qu'on a tirées, on a commencé à comprendre de quelle façon elle utilisait la photographie. Alors de façon très, très simple et très banale, elle faisait des photographies de ses proches, elle faisait des photographies de nuages, d'arbres, de rochers, qui devaient effectivement lui permettre après de faire des dessins. Elle passe toujours par le dessin. De toute façon, même s'il y a de la photographie, elle va passer par le dessin, par l'esquisse, et puis ensuite elle ira sur la toile. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça, puisqu'elle va faire des photographies qu'elle va ensuite tirer, et elle va intervenir sur le tirage, sur des cyanotypes ou sur d'autres tirages, avec soit des mines de plomb, soit avec des pastels, retravailler les volumes. Et on va s'apercevoir que la photographie fait totalement partie, pour certaines œuvres, de son processus créatif. Il y a toute une voie qu'on va explorer et qu'on va montrer au public grâce à cette exposition sur Rosa Bonheur intime à partir du 16 septembre. C'est-à-dire Rosa Bonheur dans l'intimité de son atelier, comment travaillait-elle? Et puis après, Rosa Bonheur intime dans ses relations avec les gens, puisque jusqu'à présent, on ne savait pas trop. Mais là, grâce à la photographie, eh bien, on a retrouvé des photographies de Rosa Bonheur avec Gounod. Rosa Bonheur avec ses amis, Georges Quint, par exemple. Toutes ces photos humoristiques avec certains de ses amis. Mais notamment, on va faire l'autopsie d'une œuvre. C'est-à-dire qu'on va prendre une œuvre assez célèbre de Rosa et on va démontrer de quelle façon elle est arrivée à ce résultat-là, et notamment le passage par la photographie. Donc les mises en scène auxquelles elle va demander à certaines personnes de se prêter, elle va faire jouer des rôles, notamment à son palefrenier qui avait l'air d'être bien sympa et qui acceptait d'être habillé en écossais, puis de se déguiser en Lakota, etc. Et elle va les photographier dans certaines postures, puis elle va faire des esquisses, puis elle va faire l'œuvre en question et elle va demander des informations complémentaires. Envoyez-moi de l'herbe à bison, je suis en train de peindre une scène dans laquelle il y a des bisons, j'ai besoin d'herbe à bison. Et donc tout le processus vraiment de réalisation de son œuvre, et ça on va le montrer pour deux œuvres. Mais l'utilisation de la photographie aussi par Anna Klumke, qui est très importante, ce qui va nous servir maintenant notamment à faire le catalogue raisonné des œuvres de Rosa Bonheur. Anna, qui au moment de la dispersion des œuvres, va photographier chaque petit dessin, chaque œuvre, et qui va les laisser ici dans l'atelier. On savait qu'il y avait des photographies sur plaques de verre, personne ne savait ce à quoi ça correspondait, il y en a des quantités très impressionnantes, et en commençant à les étudier, celles de l'atelier, celles des greniers, eh bien on s'est aperçu qu'effectivement c'était ce fond gigantesque qui disparaît en 1900, et grâce à ce fond photographique colossal, on a une approche assez précise de ce que Rosa Bonheur avait ici dans son atelier au moment où elle meurt, mais aussi de ce qu'elle utilisait au quotidien. Comment utilisait-elle toutes ses œuvres qu'elle va garder, tous ces moutons qu'elle va dessiner, qu'elle ne veut pas vendre, tous ses chiens, etc.
toutes ces esquisses qu'elle va conserver pendant toute sa vie, qu'elle se refusera à vendre malgré les demandes pressantes des marchands, qu'elle va conserver dans des cartons à dessin, bien rangés, avec les titres dessus pour pouvoir les retrouver. Et quand elle a une idée, elle veut peindre, je ne sais pas, le marché aux chevaux, eh bien elle va chercher ces percherons qu'elle aura dessinés pendant 15 ans et qu'elle a gardés bien précieusement. Elle va les ressortir, elle va voir toutes les postures possibles et elle va pouvoir faire sa composition. Et donc, toutes ces œuvres-là qui ont disparu, eh bien, on en a la trace grâce au travail d'Anna Klumke qui les a photographiées avant que ces œuvres disparaissent. Et aujourd'hui, il y a des œuvres de Rosa que l'on ne connaît que par ce biais-là. Si Anna n'avait pas fait ce travail de photographie sur plaque de verre, il y a beaucoup d'œuvres dont on ne saurait même pas qu'elles avaient existé. Là, on sait qu'elles ont existé, on a fait des recherches. Où sont-elles? Il y en a un certain nombre que nous n'avons pas retrouvées, nous n'avons pas su les pister. Alors celles-là, on les a appelées les œuvres disparues. On sait très bien qu'elles peuvent réapparaître, et certaines réapparaissent d'ailleurs. Hein. Certains jours, on en redécouvre. Ces photos-là, sur plaque de verre, on en a fait des tirages, et on les expose actuellement, donc dans notre exposition, le musée des œuvres disparues, ce qui nous permet de montrer la diversité de sujets traités par Rosa, jusqu'où elle allait dans ses études. Eh bien, elle avait fait toutes ses recherches anatomiques, elle avait fait des recherches dans tout un tas d'ouvrages. Toute cette recherche qui peut faire penser aux recherches que menait cet immense peintre qu'est Léonard de Vinci, eh bien, Rosa avait la même envie, la même précision, vouloir comprendre comment fonctionnait la mécanique du cheval avant de pouvoir simplement représenter un cheval dans son prix. Pour Rosa Bonheur, pour laquelle l'égalité homme-femme est une évidence, cette égalité, elle passe forcément par une même éducation. Et donc Rosa va s'attacher à veiller à ce que l'éducation des jeunes filles, ce soit une évidence pour tout le monde. Et donc ici, notamment à Bi, il y a une école plutôt pour les garçons et dans le bas du village. Donc le château se trouve dans le haut du village, c'est-à-dire 3 ou 4 kilomètres, mais avec une côte assez raide. Et donc les jeunes filles, les petites filles ne vont pas à l'école. Et donc Rosa va prendre un morceau de son terrain, qui s'appelle le clos au minet d'ailleurs. Elle va donner le clos au minet pour construire une école. Elle va elle-même construire cette école et elle va veiller à ce que les petites filles se rendent bien à l'école. Pour elle, c'est vraiment une nécessité pour que les jeunes filles puissent être autonomes financièrement. Et en ça, c'est une préoccupation qu'elle a en commun avec l'impératrice Eugénie, qui elle aussi considère que l'éducation des jeunes filles est extrêmement importante, puisqu'elle va effectivement tout faire pour créer un enseignement de qualité pour les jeunes filles. Et donc, Rosa, l'éducation des jeunes filles, c'est important, mais après, dans sa vie, elle va continuer à favoriser en fait la création des jeunes filles, puisque quand elle se rendra notamment dans des salons où des jeunes femmes exposent, eh bien, sans rien dire à personne, elle va acquérir ses œuvres pour permettre à ces jeunes femmes de continuer leur carrière. On sait très bien que même à l'époque, hein, les carrières de jeunes femmes n'étaient pas primordiale, et donc elle va essayer de les favoriser de cette façon-là. Et puis Anna reprendra vraiment dignement le flambeau, puisque la famille Klumke, c'est vraiment une famille de féministes, et Anna donnera elle aussi des cours de peinture à des jeunes filles. Mais cela dit, Rosa va mettre dans son testament qu'elle veut qu'un prix Rosa Bonheur soit décerné et à des peintres méritants, mais elle va bien préciser qu'il faut que ce soit les hommes autant que les femmes. Ce qu'elle veut montrer, c'est cette égalité. Et pour l'instant, elle va favoriser un peu les jeunes femmes, mais ce qu'elle voudrait, c'est qu'il n'y ait plus à favoriser qui que ce soit. Quand on a acheté le château, l'idée était de restaurer à la fois le lieu, mais aussi la mémoire de Rosa Bonheur, d'être le plus fidèle possible à ce qu'elle était, donc cette envie de comprendre qui elle était vraiment, et de continuer aussi le travail qu'elle a fait par rapport à la création et d'être un lieu de création vivant, d'où l'ouverture ici
à des résidences d'artistes et nous en recevons plusieurs par an, que ce soit en musique, en photographie, au niveau de l'écriture aussi. Pas uniquement pour les femmes, on l'a ouverte à tout le monde. Par contre, là où on a voulu aller dans le même sens que Rosa Bonheur, c'est en créant le festival Rosa Bonheur qui a lieu 2 mois par an, en juillet et en août, 18 concerts. C'est un festival de la création féminine. On a voulu démontrer, comme l'a fait Rosa, qu'il n'y avait pas de différence entre la création féminine et la création masculine. Et donc, on demande aux artistes qui viennent ici, même si ce sont des hommes, de prendre des créations qui ont été faites par des femmes. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir que les très grands musiciens qu'on a eus ici, eh bien, quand on leur demandait de jouer des compositrices, pour la plupart, ils n'en connaissaient pas ou ils n'en avaient jamais joué. C'est-à-dire que tous pouvaient parler de Fanny Mendelssohn, etc., de Nadia Boulanger, mais ils n'en avaient jamais joué. Et donc, on les a aidés, en fait, à se plonger dans la création féminine. Et souvent, ils ont été absolument ravis. Et du coup, ils ont gardé ces créations pour les jouer dans d'autres endroits. Et donc, c'est vraiment très important pour nous de ne pas être uniquement un sanctuaire, mais d'être un lieu vivant. D'ailleurs, l'équipe qui travaille ici sont des gens qui sont jeunes. Et on a vraiment envie de continuer à être un lieu qui bouge, vraiment tourné vers l'avenir. Après, il est très, très, très important qu'on trouve à l'extérieur du château des chercheurs, des étudiants ou simplement des passionnés qui ont envie de s'impliquer et de comprendre qui était Rosa, pourquoi on parle de la peinture ou de l'art animalier de cette façon méprisante en France et comment on peut faire pour la réhabiliter. On a beaucoup de liens avec les États-Unis, on a déjà reçu des étudiants américains, alors qu'on n'a pas reçu d'étudiants français en résidence, mais on a reçu une première étudiante pendant 3 mois et une seconde étudiante pendant 6 mois. L'étudiante que nous avons eue pendant 6 mois a travaillé sur les femmes pendant la guerre de 14, puisque ici, ça a été aussi un hôpital pour les invalides de guerre. Et donc, on souhaite continuer à avoir des échanges, comme on est très, 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 très loin de tout savoir et de tout connaître. Chaque information est importante. Et ce qui est important, c'est de partager les savoirs, partager les découvertes, partager les connaissances.